Et coucou tout le monde! Je vous retrouve pour une petite vidéo très très rapide au sujet du concours et de comment se présenter dans la carrière devant le jury, parce que ça m'a été demandé plusieurs fois, donc je pense que les instructions ne sont pas super claires. Donc on va vous faire une petite démonstration avec Abby ici présente. Vous vous tiendrez à l'entrée de la carrière de Mourlande et on va vous appeler. Donc vous allez entrer, vous allez tourner sur votre gauche et donc prendre la piste à main droite. Il faut savoir que nous, le jury, on sera à peu près à cet endroit où je me tiens actuellement. On sera au nombre de 5 et donc il faudra tenir compte de là où on est. Le but, c'est qu'on vous voit en fait. Donc, une fois que vous avez atteint la largeur de la carrière, vous allez faire un doublé dans la longueur. Et vous allez venir vous arrêter devant le jury et faire les mottes inclinées. Si vous le souhaitez, si votre cheval s'incline, vous pouvez également faire incliner votre cheval en même temps, mais ça c'est pas obligatoire. Et ensuite, vous allez tout simplement nous montrer les trois allures de la façon dont vous voulez. L'important c'est de bien passer devant nous pour qu'on puisse vous voir et vous noter en même temps. Vous n'avez pas plus de 5 minutes en comptant l'entrée et la sortie, donc il faut vraiment que ça soit assez rapide. Donc les allures imposées sont le pas, le trot et le petit galop. Ensuite, vous pouvez faire votre allure spéciale. Et franchement, ça ne prend pas plus de 15 secondes, 20 secondes par allure. Une fois que vous avez fait votre allure spéciale, si vous en avez une, vous revenez devant le jury, vous ne nous foncez pas dedans, et vous vous inclinez. Et ensuite, il vous suffit de ressortir de la carrière au pas en contournant le jury. Voilà, tout simplement. À ce moment-là, la personne suivante sera appelée, et ainsi de suite. Donc j'espère que j'ai été claire, parce que visiblement je ne l'avais pas été et je m'en excuse. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite mise au point avec vous. Donc voilà, j'espère que cette fois c'est un peu plus clair pour vous. Donc sur ce, je vous quitte en vous disant bonne soirée et à la prochaine !